Bonsoir à toutes et à tous les amis, salut à vous sur Twitch, salut à la rediff YouTube évidemment, j'espère que vous allez bien, moi, eh ben ça va nickel, ça irait encore mieux, s'il n'y avait pas d'imprévu comme ce qui se passe. Pourquoi est-ce que j'ai une malédiction? Je ne sais pas. Bref, ce soir, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon fidèle acolyte de maintenant et de toujours, je suis accompagné de monsieur Kala Tousseau, bienvenue Kala. Bonjour, bonjour, enfin bonsoir. Ben oui, bonsoir, c'est mieux, en effet. Acolyte de toujours, je note. Bah de toujours, d'un toujours récent, on va dire. Non, mais je le note, t'inquiète pas. Bon, bah tu peux noter, je t'en prie. Et donc. Bref, mesdames, messieurs, on a beaucoup, non pas du tout d'ailleurs. On a un petit peu joué en off. Il s'est passé quelques trucs dans la maison, en dehors de la maison surtout. Ça a changé, vous pouvez le voir hein, d'ailleurs, là dans la chambre, c'est plus pareil qu'avant. On a réaménagé un petit peu le tout. Il y a eu un gros travail de fait. Moi j'ai principalement fait l'intérieur et Kala a principalement fait l'extérieur. Bah, il a fait tout l'extérieur tout seul. Et je sais pas si t'as fait quelque chose dans l'intérieur, mais bon, en tout cas, on a bien travaillé. On va vous faire une petite visite de suite. Et puis bah je pense qu'on peut y aller. Es-tu prêt à te réveiller, mon cher Kala? Bien sûr. Alors à 3, 2. 1, maintenant. Ah, je suis un petit peu d'avance. Je suis quelqu'un de pressé. Le mec respecte même pas son timing. Oh. Bon, mes chers amis, comme vous pouvez le voir, la chambre est devenue une chambre royale. Nous sommes des vampires rois de notre royaume. Nous avons des lits plus que luxueux. Nous avons un papier peint, un tapis. Nous avons des torches couleur rouge et or. Nous sommes des vampires lensois, évidemment. On sort de notre chambre dès maintenant. Il y a une personne qui veut nous donner un coup de porte à la sortie et qui m'empêche de fermer la porte, nom de Dieu. On a beaucoup réaménagé l'étage. Vous pouvez le voir, les torches sont passées blanches. Ça a pris beaucoup de temps. Je plaisante. Moi, j'avais pas fait gaffe. Eh ben, j'ai fait ça juste avant de lancer le live hein, pour dire. Ça a été fait tout à l'heure. On a fait beaucoup de coffres, là vous voyez il y a un coffre d'herbes, je me souviens pas qu'on ait déjà utilisé des herbes mais c'est pas grave, il en faut un quand même, un coffre de couture avec le métier à tisser qu'on a construit, je sais pas si on l'avait déjà construit en fin de live dernier, je sais plus, on l'avait déjà fait, bon, il est là maintenant, on a un coffre ici de savoir, donc avec du papier, des parchemins et les possibles livres qu'on récoltera, ici la presse à papier. Donc ça, c'est des meubles qui sont là en attendant, parce qu'on n'a pas encore les sols de production qui correspondent. Là, vous pouvez voir ici, il faut le sol d'atelier de couture, on l'a pas encore. Ici, c'est le sol de bibliothèque, on l'a pas encore non plus. Et pour les autres meubles, on a fait des salles complètement thématisées. Ici, on a la salle d'alchimie avec notre serviteur. On va le libérer très rapidement, les amis, pour continuer les quêtes, évidemment. Mais comme vous pouvez le voir ici, on a donc la table d'alchimie, le nid à vermine. Une petite porte ici, on va vous montrer ça juste après, même si vous pouvez déjà voir un petit peu. Ici, deux nouveaux coffres, une réserve alchimique et de consommables. Et ici, le pressoir de sang. Et une nouvelle porte ici. Bon, là, voilà, il y a un balcon. Ce balcon-là, il sert à rien pour l'instant. Il est là que pour décorer. Vous pouvez le voir, on a un petit peu agrandi. Hein. La porte avant, elle était juste ici. Maintenant, elle est arrivée là. Et on a un petit peu agrandi le tout. Pour une bonne raison, vous allez voir. C'est avec cette porte là. Paf, on arrive sur un grand balcon avec un très grand jardin au dessous. Comme je vous le disais, c'est Kala qui s'est occupé de faire tout le jardin. Et son travail est magnifique hein, mon cher Kala. Tu t'es surmené, c'était incroyable, c'est magnifique. On va aller voir ça tout de suite. Directement en bas. Paf. Bien, c'est que moi-même je découvre des trucs. J'ai appris qu'il y avait deux portes en haut maintenant. J'ai travaillé quand on n'était pas ensemble, donc forcément t'es pas au courant de tout. Donc vous pouvez le voir ici, on a maintenant un grand espace qui s'est rajouté avec ici un coffre pour les gemmes. Qui se déplacera par la suite, mais où? Ouais, qui se déplacera certainement, on verra où, mais bon, pour l'instant il est là. Ici le dévoreur. Là on a un nouveau petit coin table qui prend de la place. Un autre coffre, le grand coffre malade, évidemment, on l'avait construit dans le live précédent. Ici, poste de maroquinerie, donc c'est pareil, c'est comme les meubles en haut qui sont pas dans les salles spéciales.
Là, il faut le sol d'atelier de couture aussi, donc on l'a pas encore. La tannerie, le sol d'atelier de couture aussi. Il va falloir une grande salle hein, pour l'atelier de couture. Là. Ouais, on pourra le faire là puis, ou là-haut. Puis l'escalier, l'escalier, on le mettra en long. Ouais, on verra bien. On verra bien comment on fait ça. De toute façon, ce sera soit en off, soit dans le live d'aujourd'hui, peut-être, on verra bien. Ici, nous avons l'atelier. Voilà, le sol d'atelier, donc avec la broyeuse, la scierie. J'ai laissé le bureau de recherche qui n'a pas besoin de sol en particulier, donc il est toujours là pour l'instant. Et l'établi de menuiserie, qui est certainement le truc le plus inutile du monde, mais qui est là quand même. Donc avec des petites torches jaunes et un coffre fait pour les planches. On en a 118 pour l'instant, c'est pas énorme. Regarde voilà. Mieux. Pardon ? Regarde mieux. On en a 455 pour l'instant, c'est énorme. Et nous avons ici donc la salle de ferronnerie, si je puis dire, avec donc le fourneau. Ah oui, c'est la forge, et il faut un sol de forge, mais on n'a pas encore le sol de forge. Donc va falloir qu'on trouve ça. Et avec donc l'établi simple, et un autre coffre, et peut-être d'autres trucs qui nécessitent le sol de forge par la suite, j'en sais rien du tout. En tout cas pour l'instant. C'est comme ça, avec des torches oranges ici. Donc, ici toujours nos deux coffres. Et donc, lorsqu'on sort, nous avons le jardin. L'incroyable jardin. Mais c'est incroyable, hein, je l'ai déjà vu plusieurs fois, quoique là tout ça, ça vient d'être fait à l'instant. J'ai pas encore vu toute la partie derrière, mais là cette première partie avec le brasero, le téléporteur ici, j'avais déjà vu et je suis toujours tout autant émerveillé, je suis comme un gosse, je trouve ça vraiment beau. Donc on a cette première partie avec ici donc le portail d'accès au château qui permet de se téléporter. Il prenait beaucoup de place à l'intérieur, c'était mieux de le déplacer dehors. Et donc là, un brasero qui nous permet évidemment de rester en vie, tout comme celui là-haut, qui fonctionne aussi en bas, du coup, c'est ça qui est intéressant. Ici. Et puis le balcon protège aussi, donc ça va. Oui, voilà, et le balcon protège aussi, de toute façon. Ici, une petite structure de cheval. Fallait bien qu'on la place ailleurs que dans notre chambre. Il y en a deux. Il y en a deux, il y en a une en face aussi, hein, évidemment. Comme même si elles sont pas alignées, elle est en face quand même. La maison n'est pas alignée. Bah la maison, ouais, le terrain n'était pas symétrique. Hein. Le terrassement n'est pas pratique dans ce jeu. Et donc là, donc on a un jardin. Le fameux jardin de Kalar qui attend depuis des épisodes maintenant. Et bah ça y est, il commence enfin à prendre vie. Avec une armure de... Une statue de moi, évidemment. On me reconnaît bien à mon corps svelte, musclé. Ah, bon, très bien. On ne me reconnaît plus. Ah, j'ai pas trop apprécié le choix de personnage. J'imagine. Et donc juste en face, un petit enclos à cheval pour mieux les massacrer quand on en aura marre d'eux. Et ici, l'entrée. Oh, ça fait clown. Je l'avais pas encore ouverte. Avec donc deux brasero. Malheureusement, on peut pas le mettre en rouge celui-là. Si quelqu'un de Stunlock Studios qui passe par là. Ça pourrait être pas mal de modifier la couleur des bras zéro, de pouvoir modifier la couleur des bras zéro. Ce serait fort sympathique. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait en off. On a également réparé notre armure, nos armes. Ouais, t'as tout fait aussi hein, sur toi, tu m'as dit. Ouais, donc on a réparé tout ça, donc on est prêt à attaquer. Sans sushi, normalement, l'épisode d'aujourd'hui, on ne devrait pas avoir d'embûche, si je ne me... On peut pas, j'ai quelques cœurs souillés à ranger. Donc c'est en haut maintenant dans le coffre d'alchimie. Et puis bon, on va commencer cet épisode par interagir avec notre serviteur qui nous attend dans ce cercueil depuis bien plus de 40 minutes hein, maintenant. Attends, j'arrive parce que j'ai juste trop de trucs. Ah, t'as trop de trucs. Bah à force de... Ah bon, il y aura un autre coffre pour joyaux, je le dis. Ah d'accord. Non, ça c'est tout faire. Ok, bon, on va libérer le serviteur, cercueil de serviteur. Faut lui donner un nom. Comment je l'appelle, ce serviteur? T'as une idée, mon petit Kala? Ouais, tu te débrouilles, hein. Je me débrouille. Un serviteur. Oh, si, c'est une bonne ref. Attendez, c'est quoi son nom déjà? Oh, j'ai oublié. Merde. Kev Adams, pas du tout. Non, il a jamais été serviteur de sa vie, lui, hein. Oh
merde, attendez. Je fais une petite recherche sur mon téléphone, mes amis, vous m'excuserez. Alors, serviteur. Paf, c'est quoi son nom déjà? Tac, 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 tac. Je veux pas, ils vont pas me mettre son nom. C'est terrible. Serviteur. Il a un nom, c'est quoi son nom déjà? Merde! Le... Oh, je pense pas que tu connaisses, toi, Kala. Le serviteur de Lara Croft dans Tomb Raider 2. Oula, alors, ça date un peu loin, là. Ouais, je sais bien. Je crois que c'est Kingston, mais j'ai un doute. Si je tape Kingston. Oh là là, c'est terrible, hein. C'est terrible, ça commence pas comme prévu, hein. Bon, un peu quand même. Oh, bah, ça commence comme d'habitude. C'est pas pour autant que ça commence comme prévu. Moi, j'aime bien le jardin. Bah, oui, il faut bien. Tiens, même le cercle, je vais le mettre dehors. Ah non, c'est Winston, voilà, c'est bon. J'ai pas réussi à trouver sur Internet, mais ça vient de me revenir comme un flash. On va donc l'appeler Winston. Je crois que c'est Winston, hein, si je me trompe pas. Nommez votre nouveau serviteur, donc érigé. Paf. Et le voilà. Oui, badass, hein. Alors, inventaire du serviteur. Porteur de torches. Ah oui, donc il va falloir qu'on lui fabrique de l'équipement, a priori. Oui, attends. Oh. Attribut, ok. Ah, bah. The fuck. Bon, ok. Donc on valide la quête. Technologie acquise, trône de château. Trouver un moyen de débloquer les cellules de prison. Comment ça Oh, des cellules pour toi. Oh là là. Vas-y dedans. Trouver un moyen de débloquer les cellules de prison. Prélever le sang d'un prisonnier. Oh, ça devient glauque ce jeu, les amis. Hein. Ça devient glauque. Bon. Eh bien, connard qui va me donner un cœur intact là-dedans, non? Moi. Je suis le pas avant. J'arrive. Je ramène juste un cheval. Oh, genre. À la base, oh là là, mais quel goat! Salut Pizza, merci pour le philo! Merci pour le philo, Pizza! De toi de dire bonjour! On a trois chevals! Faut que je boive mon sang! Comment on renomme un cheval? Oh, y'a le loup-garou ici, comme genre, dans l'inventaire du cheval! Tu vas dans l'inventaire, tu pourras le renommer! Bon, ils me suivent plus. Ah, mais si, mais laissez-moi me guérir, bon dieu! Ah, voilà, merci! Enfin. À l'honneur de comparer à Fallen Order, tu trouveras des PNJ qui te donneront des quêtes, mais c'est des trucs assez répétitifs. Ouais, je m'en doute. Quête FedEx, plus ou moins, je pense. À l'honneur de Pizza, le choix, je l'ai renommé Philo. Philo en l'honneur de Pizza? Bah, à cause de toi, de ta faute. Et le fait qu'il soit là. Mon parent, tu me fais chier à TP à chaque fois. Je t'ai pas du tout suivi, hein, mon dieu! Ouais, va boire ton sang comme Caris. C'est une rêve que je n'ai pas, mais c'est ce que j'ai fait du coup. Je viens de te chercher. T'inquiète, pour l'instant, je m'en sors. Bah, je viens quand même. Ah, il y a un autre cheval. Bah, viens, je pars. J'attends. Oh là là, calmez-vous. J'irai te taper le loup-garou. Non, c'est des miliciens là. Mais ils t'attaquent tous en même temps. Bah, et moi je le touche pas, bien sûr. Non, mais j'ai bien aimé ton attaque contre l'arbre, hein. Je pense qu'il l'avait mérité, hein. Mais. Ouais, ça y est. Voilà. Bon. Ah, il m'a donné un truc intéressant. Enfin, intéressant, je sais pas, mais il m'a donné un truc différent. Donc là, dans tout le lot, y a pas un connard qui a donné un cœur intact. Tu te fous de ma gueule? Et le cheval? Ouais, bah, le cheval, je vais le bouffer son cœur, c'est sûr. Tiens. Ah bah oui, ça y est. Il est mort, le cheval. Voilà. Ah, le cheval est mort. Y'a quoi là-dedans? Tiens, cœur souillé. Oh, j'en ai marre de leur cœur souillé à la con. Merde, tiens. Et le soleil se lève. Bah tiens. Bon. Pas comme dans ma chambre, hein. Pardon. Ah, faut le dire. Par contre, tu comptes bouger un jour ou rester dans ta petite maison là? Bouger, ah, tu brûles, tu brûles, tu brûles, tu brûles. Oui, j'ai vu.
tu rebrûles. Oh mais merde à la fin. C'est incroyable. Ce jeu me veut du mal. Mesdames et messieurs, il est enfermé avec un loup dans une maison. Alors. Alors ça fonctionne pas comme ça. Et t'as oublié la chaise. Oh oui, bon, je doute qu'il y a un truc dans la chaise. Ah dommage, je peux pas passer en dessous. Donc ce que j'observe, c'est que Monsieur Tussaud se fait carmaniser dans un jeu stupéfiant tout ça. bon. Monsieur Tussaud, j'en peux plus. Monsieur Tussaud, c'est un bon surnom, je trouve. Ça me va bien. Je sais. Mais il vient d'où je... Je te l'ai envoyé. Mais je te l'ai envoyé l'autre jour, mais c'était où? Bah c'était en MP je crois, ouais. Mais donc techniquement Pizza n'a pas pu le voir. Bah écoute, j'en sais rien. Je pense que c'est une nouvelle connexion psychique, un nouveau lien qui s'est créé entre moi et Pizza, je pense qu'on a un partage d'idées communes. Ah non, non, je voulais pas... Non, arrête de le sucer, arrête, merci. Toujours pas de cœur intact. Allez vous faire foutre. Oh, ça m'énerve. Non, c'était sur le serveur d'un concurrent direct à Kazoo. C'est sur le serveur de Galax que j'ai... Un concurrent direct. Je dis Galax instantanément. Bah oui, je lui fais de l'ombre à Galax de toute façon. Eh, hey, non mais oh. Et là, il est sur le live, il t'écoute. Oh bah, ça le fera rire, ça le fera rire. Bah tu vois, je pensais que c'était en MP que j'avais dit Monsieur Tussaud. Bah non, bah du coup c'était... Tu l'as peut-être dit deux fois. Je l'ai peut-être dit deux fois, c'est pas improbable. Allô, gozaimasta. Ok, je m'en vais. Thank you. Moi, je suis dans une ferme. Il y a des poules. Principe d'une ferme. Bah ouais, ouais, en général. Après, il y a un fût de bière. Dinguerie. Après, je dis pas que je suis alcoolique, hein, mais. Mais le mec a travaillé tout l'été dans une brasserie quand même, quoi. Des preuves ? Oh non, du tout. À part quelques messages vocaux écrits. What the fuck? Le chien 89 de 200. Ah bah ah je oui. Peux te dire que je le suce bien lui. Toi bon, tu vas mourir. Du coup toi c'est monsieur... moi c'est monsieur Hammer et toi monsieur Zou. Ou on va dire monsieur Zoo parce que monsieur Zou ça fait bizarre. Mais du coup je suis pas Kazoo donc c'est bizarre aussi. Je suis pas monsieur Zou. Trouve autre chose. Kazoo. Bah ouais mais monsieur Kazoo si on diminue vos pseudos alors j'ai déjà diminué le mien. Oui mais bon quand même. Monsieur K. Monsieur K, voilà. On est dans James Bond. Oh mon dieu. Moi je suis le concurrent de Digidix. En termes d'activité, ouais franchement ça se joue. Hein. Diablo X9 aussi, t'es pas mal je trouve. Hein. Monsieur K Kazouzi, ouais ouais, pourquoi pas. Oh mon dieu. Il n'y a plus aucune bestiole. J'ai terrassé tout le biome. Bah moi je suis là où il y a de l'ail. Ça fait très Men in Black monsieur K. Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui t'es dans la ferme où il y a de l'ail, ouais. Je sais pas si tu vas trouver là-dedans. Bah je cherche des mobs en vrai mais... Je vais aller revoir Tristan moi, je vais lui demander un petit 1v1. A tout hasard, on n'a pas besoin de quartz. De quartz, on en a 400, je crois, dans un coffre qui attend d'être traité en verre. Mais on n'a pas encore ce qu'il faut pour... Oh, mais laissez-moi, messieurs. On n'a pas encore ce qu'il faut pour le traiter en verre, justement. Aïe, 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 aïe. D'ailleurs j'y pense, mais il n'y a pas eu de jeu Men in Black, je crois. Je crois qu'il y en a eu au moins un. Il y a dû y en avoir au moins un, mais je pense pas que ce soit des grands jeux vidéo. Et en tout cas, récemment, dans l'ère moderne, il n'y en a pas eu, ça c'est presque sûr. Mais c'est vrai que ça pourrait y avoir une sacrée gueule quand même, un jeu Men in Black. Hein. Un truc bien bien cool, bien fait. Ça peut être vachement sympa. Bon, bon, bon. J'ai pas envie de le dire, mais le soleil ça brûle. Oh, salut toi. Le soleil ça brûle, tu crois? Je ne suis pas sûr, hein, mais... Bah ouais, ouais, non, moi non plus. Là que tu l'as dit, je me suis dit, c'est vrai que... Peut-être, mais... Depuis 20 ans, moi. Ah ouais, non, non, non. Oh, il y a encore un cheval.
Oh, elle a lâché un cœur. Par tous les dieux, faites que ce soit un cœur intact. Elle a lâché son cœur pour toi. 5 cœurs intacts. Oui. Alléluia mes frères, alléluia mes sœurs. Plus que 2. Plus que 2. T'as tué qui? Une araignée. Une araignée. Ta 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 ta. Faudrait déjà que la saga revienne à la vie. Bah ouais, parce qu'il n'y a rien eu depuis Men in Black 3, je crois. Et Men in Black 3, c'était... 2000... Il y a eu quelque chose en deux... Plus sûr. Il y en a eu en... Après 2010, il y en a eu, hein. Bah, je crois que Men in Black 3, c'est 2011, donc... Non, non, il y en a eu un, alors. Il y en a eu un, mais il est pas ouf. T'es sûr? Oui. Pour moi, ça s'est arrêté au 3. Abîme cosmique. À l'aide! À l'aide! Qu'est-ce qui t'arrive? Enfant tout saut pour chasser. Il est celui avec Chris Hemsworth, mais ça a pas marché, je crois. Bah, j'en ai pas du tout entendu parler. Hein. C'est ça. Ah non, bah alors là, c'est. J'en ai jamais entendu parler, je crois. Alors, à défaut de ne pas avoir de. Oui. Mais encore. Termine pas ta phrase surtout, hein. De ne pas avoir de cœur à taille, j'ai des joyaux. Oh, merci. C'est pas comme si on en avait un coffre plein à la maison. Mais je vais refaire un coffre. Kazoo, est-ce que tu pourrais faire un jour le jeu Damage Gearbox and Sister Simulator The Citroën C4? Écoute, Ta voiture. C'est ton projet. Non, non, celle de ma sœur, celle de ma sœur. C'était pas la tienne? Quel enfoiré, mais quel enfoiré, mais quel enfoiré! C'est ton projet, j'ai contacté des studios pour créer le jeu, voilà. Ça devrait arriver courant 2025. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que la mienne a eu un problème aujourd'hui, enfin a de nouveau eu son problème aujourd'hui. Donc il y a aussi Damage on Kazoo's C4 Simulator qui arrive. Allez, prends un sandwich. Okay. 2018-2019 je crois. Ouais bah peut-être, écoute je sais pas du tout, j'en ai vraiment pas entendu parler de ce jeu. Alors pas de ce film pardon. Pas le moins du monde. Il y a un cœur. Oh ce serait bien un intact ça, il brille beaucoup. J'en ai un. Ah oui. La chance nous sourit. Oh 83%. Oh toi je vais te sucer toi. Alors que j'avais 4.9 alors il aurait pu me sucer. Mais je suis déjà assez sucé. La Kazoo C4 ça va être un DLC hein, plus lourd que le jeu de base, plus lourd de problème. Exactement. Oh merde. Oh mon dieu, je sais pas si ça me donne envie de rire ou de pleurer ces conneries. Mon dieu. Un arbalète squelette. Tout bloqué pour être un PNJ dans le jeu. T'as pas besoin de faire autant hein Jordan, y'a juste à envoyer un MP et on peut s'arranger. Oh là là, mon dieu. Un arbre squelette quoi? Un arbre, ouais, t'as été un petit peu de retard je trouve hein. Bah c'est parce que je rigolais encore aux bêtises des gens. Mes bêtises se sont passées mais sont pas... Ah j'ai un autre cœur intact. C'est vrai qu'on a eu un autre? Parce que si c'est le cas on rentre tout de suite à la base, on fabrique l'essence sanguine. Ah bah on rentre, parfait, allez, on se casse. Bah elle me frappe moi autrement toi, tu te prends pour qui là? Pourquoi est-ce que tu tues des pauvres miliciens qui n'ont rien demandé? Bah c'est eux qui m'ont donné le cœur intact. Ah, bon bah tu l'es. Achève-les, je vais rien foutre. Bah y'a pas un petit coffre qui traîne ou un truc du genre? Je crois que je traîne avec quelqu'un qui est assez violent dans la vie de tous les jours. Donc si vous pouvez signaler son live, ça m'arrangerait. Je vois pas de quoi tu parles. Merde. Oh. Moi je pense que je vois, hein, mais... Ah, tu vois... J'ai très chaud, je meurs de chaud. Oh, punaise. Oh là là. Faites des dons que je puisse m'acheter une clim, par pitié. Ils peuvent pas. Si, si, je crois... Attends, j'ai mis un truc pour faire les dons, je crois que oui. De mémoire, oui. Mais le faites pas, parce qu'au cas où ce soit mal configuré... Me connaissant, y a des chances. Ne faites pas ça. Mon dieu.
Allez, sub Galax plutôt, il travaille dur pour mériter des subs donc. Puis lui, il travaille, toi tu travailles tout court donc. Eh oui. Moi je suis bien avec mon ventilateur et mon mini frigo dans la chambre. Ah bah tu m'étonnes! Tu m'étonnes! J'ai retrouvé une calèche. Je suis donc fait pour être Cendrillon. Tu meurs de chaud, bah ouvre la fenêtre. Alors le problème, si j'ouvre la fenêtre, c'est que vous risquez d'entendre des petits en haut. Mon Dieu, j'aurais jamais dû dire ça. Je termine ma phrase quand même et j'explique après quand même, parce que on va me prendre pour un psychopathe sinon. Si j'ouvre ma fenêtre, vous allez entendre des petits enfants crier. Donc c'est pas une bonne idée. Et si vous entendez des petits enfants crier, ne vous imaginez rien, parce que, hein, voilà, c'est juste que j'habite dans une cité. Oui, le point d'interrogation, bah, c'était sûr, j'aurais jamais dû dire ça. J'habite dans une Alors, cité, donc il y a des enfants qui jouent. Il y a une aire de jeu juste derrière moi. Hein. Et j'invoque Monsieur Grungy pour qu'il puisse confirmer. Il connaît, il connaît. et moi je m'invoque moi pour ré-confirmer l'inverse. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Oh! Bah On a vas-y, tout manque que compris. ton tour 1-4. Bah moi aussi. C'est bien le Chelou un défaut. peu. Mais non, Jordan, je te promets qu'il n'y a rien de bizarre. Promis juré. Au pire, stream à Peut-être. partir de la C4, climatisation, etc. Alors, crois-moi, s'il y a bien un truc qui fonctionne plus sur la C4, c'est la clim. Mais alors ça fonctionne vraiment plus du tout, quoi. À deux doigts de Oui, faire une Noël. blague avec Norman dedans. On va peut-être éviter. On peut, s'il vous plaît? Moi, je vois bien la blague. Hein. Enfin, après. Je vais appeler la brigade des mineurs, attention. Bah, fais donc, ils trouveront rien. Ils ne trouveront rien, tu peux en soi. Un casou. Me faire swatter avec 20 followers. Alors ça, je pensais pas. Qui a-t-il, monsieur Kala? Je t'ai entendu dire mon pseudo, que se passe-t-il? Non, mais ça m'écoute plus, donc je. Ben Ouais, bon. non, je t'écoute très peu, hein, je suis un gros con. Ouais. Ouais, on peut le dire. Ben oui. Signaler son stream. Je t'en prie, fais donc. Ça va envoyer le clip. Il n'y a pas eu de clip d'ailleurs au dernier stream. Hein. Comme t'étais pas là, il n'y avait personne pour clip. Puis il n'y avait pas de gendre. Enfin bref. Oh. Faut que je trouve un truc pour ces joyaux, je. Tu pouvais t'arrêter, hein, je suis un gros. Oui, aussi. C'était quand le dernier stream? C'était la semaine dernière. Samedi dernier, on a commencé à 20h30, on a fini je sais plus, 23h, minuit dans ces eaux-là. Minuit. Ouais, minuit. On avait regardé Star Wars 9 juste après. Tout à fait, ouais. Non, le 8. Malgré que t'aimes bien. Non, non, le 9. Bah oui, non, le 8. Non, le Malgré que 8. t'aimes bien quand même. Oh, bah écoute. Ah, bah j'avais pas vu la notif. Non, bah c'est pas grave, ce n'était pas un reproche. Mais t'aurais pu être là quand même. Donc c'est un reproche. Remettons les choses à leur place. Oh mon dieu. C'est moi qui défends tes viewers, ouais. Bah Enfin bref. oui, mais je les emmerde moi. Oh mon dieu. Oh Venez là sur ma là. chaîne, je ne stream pas, mais venez sur ma chaîne. Ouf. J'en Vous serez pleure. mieux loti. Ah oui. J'ai l'impression qu'il y avait un certain mot qui passait dans ton. Tu doutes de ma personne. Alors, personne n'a rien compris à ce que t'as dit là. Je vais me faire foutre, hein. Ah C'est ouais, tout. parce que là, honnêtement, waouh. Non, mais en vrai, j'étais sur un autre stream pour te faire de l'ombre. Bah, il faut bien, faut bien. J'ai trop d'influence, sinon j'ai plié le Twitch et le YouTube Game, moi. C'est. À un moment, j'ai trop de trucs, quoi. Ça peut plus continuer comme ça, c'est plus possible. Ah! Non. Est-ce que tu veux un jeune chêne dans ton jardin? C'est ton jardin, c'est ton jardin. Tu mets ce que tu veux dedans. Y a Winston qui se balade. Je pense qu'il ouvre les portes. Hein. Oui, il ouvre les portes tout seul, cet enfoiré. Les courants Ah, ok. d'air, non mais oh. Je me disais bien qu'il ouvre les portes de. Je me suis dit. T'étais Oui, passé dans le. non, il ouvre les portes à part celles qui ont le petit insigne. Celles-là, ils peuvent pas l'ouvrir, ils peuvent pas l'ouvrir. C'est pour ça que je les ai mis à chaque entrée, quoi. À part ici, mais c'est le balcon, je pense pas qu'il se suicide. C'est pas con non plus. Ouf, tu sais, un humain,
Tu parles en connaissance de cause. Ah bah j'ai sauté de la fenêtre donc oui. Ah bah oui. Ah mon Dieu. Oh les enfoirés! Les mots, j'ai pas envie de me faire ban parce que tu deviens vulgaire. Franchement, si t'es bon pour 2 viewers, moi je m'inquiète. Hein. Le jour où t'en as plus, promis. Ah, c'est surtout que depuis le début, je fais pas du tout attention aux mots que je dis, donc. Cœur sur nous. Bon, par contre, Va falloir qu'on je... refasse du cuir à un moment donné, parce que là, on a à peu près 1000, 2000, 3000, 4000, 4166 peaux résistantes. Peut-être un Et petit bah peu beaucoup. tu descends tes grosses fesses et tu vas les faire tes cuirs. Bien. Le respect est présent. Ah ben je me fais respecter sur mon stream, c'est bien, hein, c'est bien. Et tu peux descendre aussi de la peau épaisse et de l'huile s'il te plaît. Descendre avec une hache surtout, tu vois. Si tu veux, Wilson, il a une arme. À deux, ça sera peut-être mieux parce que tout seul, ça sera peut-être pas assez. Enfin bref. Je vais chercher lui du coup. Je lui ai donné une... Ah d'accord, il peut avoir qu'une seule arme cet enfoiré. Oh bah attends. Ah bon? Je lui ai donné une épée. Et il a la masse dans son Bah... inventaire. D'accord. Twitch, les enfoirés, c'est un groupe, y'a rien. Bah c'est... Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai. En plus, j'ai rejoint le programme les enfoirés il y a peu de temps parce que... Comme j'ai une grosse réputation, ça fait des dons. Donc ouais, non, non, t'as raison, t'as raison. Asie lui. T'as quoi en compétence violette? En compétence, j'ai aucune compétence, je suis une grosse merde. En compétence de contre ou de... En R ou TC, je crois que c'est ça. C, j'ai le contre protection des damnés. Donc ça c'est le contre, et en R j'ai le Nova de glace. Oui bon. T'as regardé dans les coffres, dans les joyaux, s'il y avait pas un truc qui t'intéressait? Pop, 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 pop. Non, ça c'est les gemmes. Non, il confond. Ah, c'est écrit quand même sur le coffre, hein. Oh, mais je t'emmerde! C'est terrible ça! Ils Déjà sont que où les joyaux? Oh! je suis dedans, je suis dedans, je suis dedans. T'es où? Dis pas que t'es monté. Non! Alors, Nova de glace, y en a un. Nova de glace, j'ai déjà un joyau dessus. Ouais, mais qu'on parlait. C'est quoi l'autre? Augmente les dégâts infligés aux cibles gelées et glacées de 38%. Bon, bah, tu gardes. Bien. Et après, contre. Protection des dames. Non, j'ai rien dessus. Et. Tac, je vais enlever la forme de loup. Sur ça. Ah non, déferlement de puissance, c'est pas ce que j'ai non plus. Donc, ouais, non, je ne peux me mettre aucun joyau. Mais je... Bon. Attends, parce que du coup... Oui. J'ai toujours la track. La traque. Arrêtez la track, oui. T'avais traqué qui? Oh, des deux personnes. Hein? Ah! Oh! Tu comptes faire toutes les voyelles? Hi. Ah! T'en as oublié pas mal avant de recommencer, hein. Ah, il faut bien, hein. La soif de sang. Cellule de prison. Du coup, faut aller faire On va aller faire vaincre. 20, Vincent, Vincent. Ah, après, faudrait peut-être des. Ah, bah, on l'a déjà fait. Mais bon. Gric le général Ah, mort-vivant. ça fait dans l'étude, ça. Une sonnette. Intéressant. Moi, je veux bien la. Ou une faucheuse. On peut mettre une sonnette au truc? Bah, pour Krieg niveau 47 nord-ouest très loin, on débloque une sonnette. Donc, moi j'allais Incroyable. faire lui. Table d'artisanat. Invocateur de crépuscule Pourquoi blanc tu voulais moelleux. de la peau épaisse? Ça servira plus tard. D'accord, Ah donc j'ai trop. j'aurais pas pu la laisser dans le coffre en haut, du coup, à tout hasard, si ça Oh non. servira que plus tard. Oh non. J'ai un truc pour toi, donc là où tu m'as dit celle qui me débloque les cultures de jardin. Oui. Il y a une râpe de balle de minuit, du bal de minuit, donc tu vas la porter quand je te le dirai. Y a pas de souci, on fera ça. Ah, là je connais bien.
Bon, du coup, faut aller faire. Mais comment on peut prendre quelques niveaux de plus, c'est ça, je comprends pas. Attends, 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 avant de te précipiter, faut construire le trône de château surtout, puisqu'on a ce qu'il faut maintenant. Et on le met où? Bon, On le met bah. là? Attends, j'arrive. On vire ça De là-haut? tout, non, mais de toute façon, on peut déplacer, donc on peut le poser là comme ça le temps du stream, et puis on verra après si on comment on bouge. Non mais ça va. Ah mais j'arrive même pas à sortir. Trône de château. 24 briques de pierre, 4 planches renforcées. Ah, est-ce que je les ai les planches renforcées? Oh non. T'en faut combien? Mais de toute façon, on peut les Il m'en fabriquer, faut. non? Non, on peut pas les fabriquer encore. Il m'en faut 4, j'en ai 3. T'en as pas quelque part sur toi? Mais je sais où ça se trouve. Ah bon? Oui, parce que 3 quarts du temps, c'est moi qui les avais. Bah, 3 quarts du temps, il y en a que 3, donc. c'est pas. Bon bah les 3 qu'il y a, c'est moi qui les ai. Tu t'en as pour longtemps à les prendre ou pas? Bon, ça dépend si je les trouve dans les coffres quoi. Ah d'accord, bon alors je vais te suivre. Attends parce que je regarde au cas où hein, parce que moi j'ai pas fait gaffe à ça avant. Si on peut pas les avoir, tu sais, dans les petites zones en regardant vite fait. Possible, c'est largement possible ça. Mais je crois que ce qu'on regarde là-dessus, c'est seulement les zones ouais, où ça tombe. Tombe. Des mobs. Donc je vais me TP là et puis on verra. Après, tu penses qu'on peut pas les tenter les boss du niveau 41? Ah Tristan, ça, on a mis une sécure, après c'est je coûte rien. Je pense qu'on peut tenter pour voir et puis on verra bien quoi. Hello! Ah, le soleil me fuit! Le soleil te fuit? T'as de la chance. Ah oui, t'es parti loin. Loin, loin, attends, je suis en train de brûler. Parce que c'est. Ah oui, c'est Vincent qui nous permet de les fabriquer justement, les planches renforcées. Fais chier Vincent, il a beaucoup de choses. Mon cœur, mon âme, ma santé mentale. Ah ça y est, on est où là? Je suis en train de brûler. Éteins-moi ce feu! Bah, j'en suis en train de brûler. Oh, mais je suis coincé. Il est très loin, vers où? Qui? Vincent? Tristan? Non, Vincent. Il est au nord. Bah, je suis mort. Ah, je suis pas mort. Ouf. Oh, Alors. cette pute! Ouh! En sachant que tu l'avais déjà. Ah bah, à proximité, Vincent. Ah, c'est oui, il est à côté de la chasseuse. À côté de la chasseuse, merci, ça me donne beaucoup de. Bah, je n'ai pas le reste du nom, mais celle de la première du premier acte. Proche. Si j'ai eu du Munitions à tissu, c'est l'ail, ça ah oui. qu'il faut? Pardon? J'ai eu du tissu, c'est ça qu'il faut? Non, faut des planches renforcées, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, vu qu'on est dans le mood vampire, je conseille l'excellent film d'animation Batman vs Dracula qui se passe dans l'univers de la série The Batman 2004. Ok, je savais pas du tout, je connaissais pas. Je ne connaissais pas. Attends, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que. Bah, pas grand-chose, oui, ça c'est bien vrai. Ah, il est là-haut. J'espère vite trouver les planches parce que là. Bah après je te dis sinon viens on essaye de faire Vincent et puis comme ça si on arrive à le faire on peut les fabriquer en rentrant c'est nickel. Si on n'arrive pas à le faire bah on essaye de trouver des planches et puis voilà quoi. Ouais, Ah est-ce il est que là. j'ai des trucs qui me. Ah bah j'ai de la peau épaisse, bon. J'ai un joyau. Mon film Batman préféré, tout film Batman confondu. Ok, bah je connaissais pas du tout de nom, je pense que j'en ai jamais entendu parler parce que. J'ai du bois sculpté si t'intéresse. Bois sculpté, non, ça sert pas à grand chose. De toute façon, c'est pas acheté. Bon, bah, je retourne au portail. Je suis en train de.
Ok, j'ai de commencer à nettoyer la zone. Je me suis pris un coup. Ça m'a presque one shot. J'arrive, papa arrive. Pareil. Monsieur Tousseau arrive. Où es-tu, jeune homme? Je suis à Vincent. Bon bah en fait j'ai pas besoin de me TP. My blood, restore my body. Je suis à égale distance des deux. Oh, il y a une armée d'assassins qui arrive. Oh la vache. C'est le cadeau. Mais je te jure. Porteur de la torche, c'est les Olympiques. Des vampires. Ah la vache, c'est vraiment des assassins. Mais c'est devenu des petites chiottes les assassins quoi. Oh merde. Ah mais ils me font chier eux. Comment tu parles? Bah ils me font chier, ils me font chier. Bah oui. Eh non. Ah. À partir de maintenant c'est ma chaîne. Ah d'accord. Le downfall. Oh, qu'il aille se faire foutre lui. Bon, en soit également, il est distribué en VAD en France, donc pas étonnant. Ouais, non, non, mais c'est étonnant que j'ai jamais entendu le nom. C'est ça la zone que t'as nettoyée? Que j'ai commencé à nettoyer, ouais, t'arrives dedans là. Où il y a des squelettes? Des squelettes, j'en sais rien, je crois pas qu'il y avait de squelettes quand je suis passé. Moi, il y a surtout des gros mecs de la milice qui ont une tête de mort au lieu d'un niveau. Montez où? Ah oui, je viens de le croiser. Terrain de la milice. Les credos. Bah lui, c'est son attaque. Son attaque de loin qui fait mal. Il se projette d'un coup et ça one shot presque. T'es mort. Ouais, je suis mort là, j'arrive. Je suis pas très loin. Bon, bah, du coup, je te rejoins. Putain, mais tu fais tout le tour des rochers ou quoi? Bah oui, j'ai respawn pas... Oh, du fer. J'ai pas respawn à côté non plus. Tu sens l'ail, hein. T'aurais pu mettre du parfum. Ah, je gueule un peu quand même. Oh. Tu fais bien. Pourquoi tu tues les assassins? Oh, petite envie. Ah. Alors, le boss, pourquoi j'ai plus son sang, moi, d'afficher? De toute façon, il est là-bas. Mais il allait laisser tranquille, les pauvres! Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Bonsoir! Bah, tu vois, c'est moi qui prends ses conneries de les attaquer. Laisse l'envie, lui. Plus de sang. J'ai un corps attaque. Oh, bien. Moi, tu peux le. Bon, pour 10% ça fait chier, mais bon. Ah oui, en effet, oui. Au moins ça m'effoule. Et puis au moins, je vais pouvoir me régène. Oui, c'est vrai, je me régène aussi avant d'entrer dans l'arène. Ah, mais il est plus là. Aïe, il se déplace. Jure. Ah, mais je pensais que... Non, mais je pensais qu'il se déplaçait pas parce que tout à l'heure, il était bien sur ses bottes, il bougeait pas, quoi. Je suis le loup. Tu es ma proie. Ouais, prends-le. Lui, on laisse tranquille là-haut. Ouais, bah, pff, il est peut-être pas beaucoup plus redoutable que Vincent, ceci étant dit. Vincent! Ah, il est là. 100 V. Tiens, mon coco. Oh, ok. Désolé, mon coco. Je savais que j'aurais pas dû l'appeler mon coco. Ça leur plaît pas en général. Voilà. Tu vas te calmer, mon grand. Hein. Tiens. Ok. Je vais me calmer. On va même reprendre un peu de fer avant de partir. C'est bien ça. Oh, mais il m'emmerde, à chaque fois ça me tombe dessus!
Ah. Oh, c'est quoi ça? Oh, salut. Aïe. Ah, mais je fais quoi, moi? Oh, bah. Attention, je me régène vite fait. Il nous a pas lâché de vie pour l'instant, l'enfoiré. Hein. Bah, il est pas à la moitié après. Aïe. Ouais, il est pas encore à la moitié. Oh! J'ai vu que t'avais envoyé un message, Jordan, je vais y juste après. Orbe de santé, yes. Je te laisse les deux dernières. Ouais, 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 je te laisse les deux dernières. Oh, il a arrêté d'avancer. Oh bah. Oh. Il faut que je récupère mon thé aussi. Chien. Chaque fois il est trop loin. Allez, attaque. Là. Ah bah j'ai pas eu le temps. Il m'avait coincé. Je suis mort. T'es mort aussi? Enfin. Je suis bientôt mort, il faut juste que je me régène. Je sais pas si j'ai un respawn proche ou pas. Ouais, pas proche proche hein, je vais faire de mon mieux pour revenir au plus vite, mais là... Je suis mort. T'es mort? Chier, j'aurais pas dû me régénérer. Bah il est faisable en vrai je pense hein. X. Je pense qu'on peut le faire avec notre niveau. Y'a moyen que ça passe. Tac tac. J'arrive Vincent, tu me piqueras pas la vedette comme ça. Attends. Je crois qu'ils ont pas le son du jeu depuis tout à l'heure dans le stream. Ah bah nickel. Ils ont pas le son du jeu, mais faut le dire les amis, non mais. C'est terrible ça. Mais faut me le dire. Y'a que moi pour faire ça. Non mais ça fait 1h30 de stream, y'a personne qui prévient, mais faut le dire. Oh la vache. Nom de Dieu. Bon bah normalement maintenant vous avez le son. Aïe aïe, bah j'espère que je l'aurai, normalement je l'aurai sur la rediff quand même. Mais quel con, mais quel con. Jade, regardez la chasseuse de vampires. Laisse-moi tranquille. Regardez votre streamer à la con. Oh non non, mais alors là... N'importe quoi. Tuez-le. Mais ta voix nous suffit, t'inquiète. Bah merci, merci, mais bon. Ah non, c'est pas génial non plus quoi. C'est un calvaire des fois. C'est un calvaire, ouais, je confirme, je confirme. Alors, donc, qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure? D'ailleurs, pour revenir à tout à l'heure, le fait que j'étais pas là dans le dernier stream, sache qu'en décembre, il y aura probablement plus aucun signe de vie de ma part. Bah, c'est très rassurant, ça. Alors, Kazoo, sache qu'en décembre, je vais me suicider, donc t'auras plus de nouvelles, globalement. Sortie de Marvel Rivals le 2 décembre. Ok, ok, bah tu vois, je me suis pas du tout renseigné sur le jeu. Même pas qu'il sortait. Je savais même pas qu'il y avait un jeu. Mais la suite. J'avais lu la suite, je profite juste de faire des petites blagounettes avec ce que vous dites. Pourquoi t'es parti? Pourquoi je suis parti? Comment ça, pourquoi je suis parti? Je m'en vais au boss. Ah ouais, mais le low. Ah ouais, bah eh, faut bah le dire. Ouais. Hein. Bah t'activerai la track. Faut le dire, madame. Allez, activer, c'est ça le problème. Ah ouais, bah en effet, ouais, en effet. Gros gros problème. Créature. Ça commence bien. Je suis ta créature. Ah, chaque fois. En plus, il y a magique. Tu dois être content alors. Il y a un gros loup flippant derrière. Ah, c'est toi, gros con. Viens m'aider plutôt. Ah, quel con, t'es. Attaque. Oh. Chaque fois, il temporise tout pile le temps qu'il faut, ces enfoirés.
Ah, j'espère vraiment qu'il va y avoir le son du jeu sur la rediff. Oh là là. Mais quel con, mais quel con. J'ai esquivé. Terrible. Bug de caméra en début, là le son. Oh là 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 là. Il a un contre aussi, tu feras gaffe. On prend, c'est pas sympa. J'ai fait la partie durant la bêta fermée avec Magic. Ah bah écoute. A l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Je vais demander. Ah non. Bon, pente, attends. Je suis pas sûr qu'elle puisse t'aider. Hein. Oh là là, mais pourquoi toujours moi? Cœur intact, yes. C'est plus le sujet, je m'en fous. Oh non, pas le soleil. Mais c'est un truc de ouf. Cœur intact. Oh, si jamais tu peux utiliser ton contre autre moyen, lui. I feel a chill coming out. Pourquoi c'est foiré? Bah, wesh. Laisse-moi tranquille, wesh. Je veux juste me régénérer un peu. Ah, c'est pas vraiment. C'est son contre, hein. Ouais. Ah, je brûle, j'avais pas vu. Aïe aïe aïe. J'ai de squatter devant le McDo fermé pour regarder ce live. Ah ouais, ça c'est. Ça c'est dommage quand même. Quelle idée d'être parti habiter à Maubeuge, mon dieu. Le soleil, mais le soleil, mais. Quel soleil? T'es dans le nord, lâche ça. Il reste un cœur, bon, moi je le prends vu que t'es pas content, mais. Bah, je, oui, je comptais te le laisser. Oh non! Mais il y avait un millimètre de trop là! Merde à la fin! Deux connards qui activent leur contre ensemble. Attack! I feel a chill coming out. Oh, ah. Allez, allez, régène-toi! Oh. Alors, je suis géoslové, c'est franchement pas ouf comme situation. Oula! Qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon, moi, il a je une nouvelle me attaque. Hein. Il a une nouvelle attaque à distance, fais gaffe. Ah, fais chier! Celle-là, hein? Non, 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 du tout. C'est une attaque qui tape par terre et ça fait naître des pics de glace du sol. Ah, c'est ça! I feel a chill coming on. Je me régène, hein. Oh, ouais, ouais. Moi, je vais essayer de survivre en attendant. Oh, l'enfoiré! Allez. Oh! C'est pas vrai! Ah, mais pourquoi toujours moi? Ah, bah, utilise son compte, ça me va. Oh, j'ai plus de sang. Génial. Ah, là, je peux pas te. Bah, mais chier! Oh non, soleil. On va pas... Oui, moi aussi, moi aussi. Ah, on va pas le rater si proche quand même. Ah putain, ah, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Et puis j'ai plus de sang. Paf. Vite, bouffe, 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 dépêche-toi. Merde. Ah. Allez, 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 allez. Oh, c'est tendu du cul. Je me gêne. Il fait chier. Allez. Ah. Ok, je suis au max. Allez, allez, allez. Putain, on est vraiment pas loin, en plus ça ferait chier. Non, 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 non. Ah bah là, frère, fini pour moi. Ah non, c'est bon. Ah, ah bon, bah là, fini pour moi. J'essaye de revenir au plus vite. Tac, dépêche-toi de respawn. Ok. Ah, oh, c'est super loin dans tous les cas, fait chier. Ah mais t'as pas le TP d'à côté? Non, j'ai pas le TP d'à côté, moi il est super loin mon TP. Paf. Allez, j'arrive, dépêche-toi. On a rien de plus rapide que le loup pour l'instant. Je sais pas si on en aura d'autres. Bonjour. Je ne fais que passer. Il est mort. Oh l'enfoiré. Il est mort, tu l'as vu? Bah oui, attends, tu me prends pour qui? Oh l'autre. Ah, vous avez pas vu la fin, les amis, ah, trop relou. Mais ben, en plus, ça pour le coup, ça fait vraiment chier. Hein. Surtout pour la rediff. Bon. Tant qu'il despawn pas, le temps que je revienne pour qu'on le suce ensemble. Ou sinon, tu le suceras tout seul quand je serai pas là. Ah bah non, parce que ça veut dire qu'il faut que je le refasse. Oui.
Bah, on va éviter du coup. Mais désolé, parce que je veux bien survivre un moment, mais comme j'avais plus de vie, je pouvais pas trop tamper Bah oui, non, comme non, je non, voulais. non, mais non, non, t'as bien raison, t'as bien raison. Bon, après, à un moment, je lui ai mis une attaque, mais je pensais pas qu'elle lui mettait un petit bout pourcent de sa vie quand même. En tout cas, il est à côté de moi, il est en train de se rendre. En train de se rendre? Ah bah, il a une main à terre, l'autre dans le sur le Ah, genou. d'accord. Tellement longtemps, ça fait que je me suis pas Ah. coupé les cheveux, j'ai une crête dans le. Qu'à la punk. Ce genre de stream, faut vraiment pas l'écouter sans regarder. Ah non, 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 en général, non. En effet, ouais. Ah, attends 5 minutes, j'arrive pour le sucer avec toi. J'ai des enfants dans ma cave. Oh. Si j'ouvre la fenêtre, vous allez entendre les enfants crier, oh! Mon dieu! Ah, en effet, il se rend, ouais. Ah, ouais, puis il se rend vraiment, quoi! Oui, je le suce! Oui, je le suce, je le suce! Attends! N'oubliez pas là, Oh ouais, non! je. Oh, shield! Oh, merde! Oh! Oh, y a un Il n'y a cœur. plus d'ombre, il n'y a plus d'ombre! Ah, j'ai très très chaud! Oh, je meurs! Ouf! Elle est morte! Oh. Allez, de retour à la base. Moi, je vous le dis. Ah oui, clairement! Alors attends, voir la récompense! Vincent, le porte-givre, mon salaud, tu nous as donné un sort de givre, cellule de prison. Ah, armature de fausse. C'est parfait pour les enfants! Armature de prison et planche renforcée, nickel! Alors, retour à la base, on va se mettre un petit checkpoint. J'ai rien Ouf! sur moi, au pire je me TP, je m'en fous, mais. Un tissu, on s'en fout. J'ai quoi moi? J'ai deux Oh, cœurs intacts. j'ai trop de trucs, quoi. J'ai les Peau essences sanguines épaisse. supérieures. Je suis sorti avec nos 4 essences sanguines supérieures. J'aurais pu les perdre à tout jamais. Et surtout que moi je vois Hop, pas tes hop, hop, cadavres. hop. Non, non, bah de toute façon, je pense pas qu'ils despawnent les sacs de stuff. Parce que là. Non, mais après il faut le retrouver. Bah moi, ils sont toujours indiqués, les miens. Allô, Gozaima. Oh, hey, monsieur, un peu de respect pour la personne que je suis. Tout petit peu alors. Ouais, bon, toi, va te faire foutre aussi. J'y Moi, les vais. gars, c'est. Les gars, je suis pas invité sur le live. Moi, je lui dis, je viens, t'as pas le choix. C'est presque vrai en plus. Ah bon? Bah, de base, j'avais pas prévu moi de refaire quoi que ce soit sur V-Rising. Enfin, pas vraiment prévu. Il m'avait envoyé la clé et puis à un moment, Enfin bref, moi je suis à il la fallait base. que je refasse un deuxième contenu. J'avais pas envie de refaire de vidéo. Donc j'ai dit je fais un live et puis c'est parti en let's play à deux quoi, mais. J'imagine Titouan qui rejoint le stream sans ses écouteurs dans la même pièce que ses parents et juste à ce moment Kazu dit attends moi j'arrive pour le sucer. Pauvre Titouan. Ah mon dieu. J'imagine Isotte surtout hein. Wow. Dans la rue, assise devant la fenêtre du McDo, si elle a pas pensé à prendre son casque. Il y a un risque non négligeable de prison là. Hein. Mon dieu. J'ai un papillon qui me tourne autour. On a un problème. Quoi? Le trône de château, quand j'essaie de le placer, ça me met un petit message. Ça me met bloqué par l'étage supérieur. Le machin, il est trop grand pour être mis en intérieur. Alors. Bah écoute, je sais où il va aller, hein. Il va aller sur le balcon, le trône, et puis c'est tout. Ah non, je peux le mettre à l'étage. Ouais, bah je vais le Eh mettre à mais l'étage pour le on moment. est trop con, on est trop con, on fait la chambre. Il va refaire la chambre? Ben on le met au milieu des deux lits. Et t'arrives à prendre une porte ou quoi? Non, mais je suis dans le menu construction pour l'instant. Il passe pas là? Là, non, il passe pas du tout là. Et pourquoi la lumière elle est pas pareille au milieu? Parce que En j'ai vrai. fait rouge rouge et jaune jaune. Comme les couleurs sont rouge et jaune, c'était pour pas faire Bon que d'une seule couleur. maintenant qu'on est enfermé dans la chambre, déshabille-toi. Ah, Enfin bref. faut donc que j'arrête le stream maintenant. Oui. D'accord. Mais on peut pas, si on vire l'hôtel, on peut pas le mettre Non, 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 le. non, il passe pas du tout. T'es sûr, hein? Ah, certains, certains, je le vois, il est dans les lits, ça ne passe pas. T'es sûr, hein? Ok, t'es sûr.
À un moment, je suis plus sûr avec toi. Après, on a grandi, on n'est pas ça près. Il est là. Voilà. Enfin, je suis où je mérite d'être. Alors, j'ai un nouveau menu avec de la... Je vois pas ce que tu me fais, mais j'entends que tu me fais des attaques très puissantes dessus. Tac, 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 tac. Alors, chasse de serviteurs. Optimisez la récupération de ressources en ordonnant à vos fidèles serviteurs de chasser dans plusieurs territoires. L'issue de chacune de ces chasses dépend de leur équipement, de leurs atouts et de la durée de l'expédition. Découvrez de nouveaux territoires dans le monde fascinant de Vardoran afin d'envoyer vos serviteurs en quête de sang dans des emplacements de choix. Ah bah j'ai plus d'emplacement. C'est génial ça. Ah voilà. J'aimerais bien refaire le même discours que la semaine dernière. Mais après, on va dire que je radote. Donc je vais quand même leur faire 5 ans de carrière. Voilà, c'est ma place. Des centaines de vidéos. 4 lives. Et j'en suis arrivé là. Oh là 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 là. C'est quand même con que je puisse te déloger en détruisant. Mais le pire, c'est que j'étais toujours dans le menu, quoi. Ah bah donc tu peux encore l'enlever. Non, 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 stop. Bon, je l'envoie aller chercher quoi, notre connard, là. De la pierre renforcée. Des planches. Des planches. Bah, des planches renforcées, il nous en faut, en fait. On en a que 3. Enfin, il nous en faut 6, d'ailleurs. T'es complètement teubé. Tu te souviens à quoi elles servaient, les planches renforcées? Bah, la cellule. Ah, ah oui, d'accord. Alors oui, mais pas que, elle servait au trône de château. Alors oui, ah, mais alors attends. Parce que le problème... Quand je vous le dis qu'il est désagréable, ce mec. C'est pas pour rien. Bon, Winston, tu bouges ton cul. Je peux pas l'envoyer chercher du bois renforcé. Ça n'existe pas. Mais non, pas. Mais envoie-le dans les zones... Bah, facile. Ah, mais attends, non, 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 non. Le fais pas partir maintenant. Pourquoi? C'est pas que je veux pas, hein. Il va y aller avec quel stuff? Bah écoute, il a une épée, après il se démerde. Du coup, tu peux mettre une marque sur de symbole sur notre porte de chambre. Ah, tu veux pas qu'il aille dans notre chambre? J'ai pas envie qu'il nous voie. Ah, je comprends, je comprends, je comprends, je m'en occupe. Alors. C'est pour le RP, tu vois. Non, mais t'as raison, t'as tout à fait raison. J'en ai marre. J'ai marre de fermer la porte, mais m'enfermer moi-même. Ah, ça m'arrive de temps en temps, je dois l'avouer. Bon, moi, ah, c'est un peu beaucoup. C'est bon, il ne pourra plus entrer dans notre chambre. Tiens, Winston. L'homme que tu es est desservi par ma puissance. J'ai eu un succès équipé entièrement un serveur. Oh, bah attends, je lui enlève son équipement, je lui remets. C'est donc ça, votre youtubeur. Voilà, équipé entièrement un servant. Oh, bah voilà, un succès bien mérité, dis donc. Bon, c'est bon, je l'envoie en mission. Allez. C'est donc alors. Ça, votre youtubeur. Je peux plus l'envoyer en mission. Ah si, ici. Bon, tac, 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 tac. Qu'est-ce qui va aller nous chercher? Des planches. Des planches, je crois que je peux pas. Ouais, non, il peut ramener du bois, mais pas de planches. Du fil grossier. Fil grossier, ça je peux. On va l'envoyer là, pouf. Alors, tac, 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 tac. Faites glisser pour déterminer la durée de chasse. Oh nom de Dieu! On va pas le revoir avant longtemps. Combien de temps? 23 heures. Oh! Ah merde, Jordan, ton message a été supprimé par le bot, j'ai pas pu le voir. Il m'a même pas demandé de valider. Il t'a insulté, t'inquiète. En sachant... Alors, c'est chelou. En sachant que plus il est rapide, plus il a de chances de se faire blesser. Bah, je vais l'envoyer... Combien de fois plus rapide? 2 heures. Après, je peux l'envoyer 16 heures et il a le même taux de pourcent de blessure et il a un peu moins de chances de réussite, par contre. On n'a pas le soldat atelier.
Le sol d'atelier. Si, on l'a. Pour l'établi? Enfin, pour la série? Ouais. Dans la scierie, ouais, le sol d'atelier, il est mis. Et on peut pas construire le bois renforcé. Si. Le bois, les planches renforcées. Si, si, j'en ai construit une tout à l'heure. Je peux pas raconter mon anecdote. Attends, Jordan, je vais aller voir sur le site du bot directement qui supprime les messages. Le bot, hein. Chatbot. Est-ce que je peux voir ce qu'il a su? Journaux de modération. Alors, je vois ton message. Alors, d'ailleurs, petite histoire assez marrante, j'avais fait tester à mon grand-père ETS2 avec le volant. Je lui disais qu'il fallait qu'il fasse doucement avec le volant, car c'est très sensible dans le jeu. Il commence pas à tourner à fond d'un coup le volant, comme un vrai volant, pour éviter une voiture et à faire des sursauts. Alors, j'ai fait pareil avec mon père, j'ai cru que j'allais dire au revoir au volant, mais vraiment. Mais Dire un truc. je comprends. Oui, tu peux dire un Imagine avec truc. le mien. Bah, avec le tien, ouais, c'est clair que. Alors Aïe, que le aïe, aïe. mien, il est comme toi, hein. Bah, il est comme moi, hein, c'est son métier, mais. Et du coup, a Il priori, gueule c'est là. parce que t'avais mis trop d'émotes, Jordan. Spam d'émotes, la raison de la suppression. Donc, je sais Je pas suis pourquoi il caché. avait mis ça. Paf, paf. Tu me trouveras jamais. J'ai juste activé ça. Là où était J'arrive peut-être mon j'arrive te crafter. trouver. Paf, voilà. Très bien. Ok, retour sur le jeu. Ouf. Alors, où es-tu? Je t'ai trouvé. Je ne suis pas sûr. Alors, attends. Of course. J'ai l'impression qu'on m'observe. Ah, tu crois? Un petit peu. Laissez-moi tranquille. C'est pas moi qui ai volé les chocobons. Mais il y a zéro emote. Ah. Le bot qui a craqué son slip, quoi. Oh merde. Bon, allez, je l'envoie 23h, rien à foutre, il est parti. Je peux pas l'envoyer. Bah fais-le partir 2 heures. Non, non, faut que tu lui. Non, non, c'est parce qu'il a des trucs dans son inventaire. On peut rien lui laisser dans son inventaire. Et Ah comment oui, ça je me fait sais. chier? Bon, il doit le faire par contre. Le fer, il est dans. Dans le coffre qui est avec le fourneau. Voilà, et cette fois je t'envoie en mission, mon salaud. T'avais pas dit qu'on avait 400 de fer? Ah si. Alors, on a 400 de quartz et de fer, par contre, malheureusement, on n'en a pas beaucoup parce qu'il a. Il les a fait chauffer. Oh! Si je l'envoie dans la zone un peu plus compliquée au-dessus de nous, là. Il y a 20% de butin garanti en plus. Donc je vais l'envoyer dans la zone au-dessus. Et ça dure le même temps en plus. Donc on s'en fout un peu. Par contre, faut que je trouve un truc intéressant. Ma Fais pas bonne partir tout de époque, suite. l'époque où j'avais encore un PC. Bah ouais, il y a beaucoup de choses qui disparaissent malheureusement avec sans PC. Hein. La vie, la mort, Oh là! La le mort dégoût. disparaît avec un PC? C'est donc Bah ça le ouais. secret? Oh bah non, mon Bah hey, dieu! tu crois Palpatine, il le fait comment? Pro gamer, le Palpatine! Lui, c'est pas Oh mon je dieu! suis le Sénat, c'est je suis les gamers. Ah ouais! Mais il faisait des bonnes vidéos à l'époque d'ailleurs, moi j'aimais bien. Yo tout le monde, c'est Palpatine! Bon bah je vais l'envoyer chercher. J'ai pas beaucoup Palpatine. d'options. Ah! Oh tu vas être content, je peux l'envoyer chercher des planches renforcées. Mais ça dure 23h. Ça dure 23h quand même par contre. Ah oui, mais c'est dans la ferme de Genley, donc il va crever. Bah non justement, il est meilleur là-bas. Mais quoi? Mais il crève jamais, cet enculé. Ah bah écoute! Palpatine qui geek sur Battlefront 2 pour survivre. Avec lui-même. Et d'ailleurs, cet enfoiré, il avait eu autre chose en avance, lui, hein. Non, parce que moi, je vais me faire foutre, mais lui, il l'a eu, hein. C'est terrible, il y a vraiment du favoritisme dans le milieu. Allez, lui, il part à 23h. Après, il fait partie du milieu, quoi. Oui, mais bon, quand même, c'est pas une raison. C'est une raison.
Bon, bah c'est une raison. J'avais oublié qu'on avait parlé pour le chat, du coup ça fait que j'ai ouvert le chat. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait qu'on fasse des prisonniers. Bah oui, mais du coup on peut pas construire. Enfin, on peut, mais. Oh bah t'inquiète pas que moi je me gêne pas. Ah, t'es en train de construire la prison là? Bah ouais, mais. Tu vois, envoie le faire. Tu fais en fait, on est con nous. Oh, j'ai même pas regardé si je pouvais. Oh, appelle-le. Bah je. Je sais pas si je peux. Mon trône. Paf. Ah, je peux annuler la chasse. Mais attends, parce que je vais vérifier avant d'annuler. Ah, il peut aller faire du fer. Donc je vais le rappeler. Paf, et je l'envoie faire du fer à la place. Bon, je vais faire un truc sur Google, du coup. Alors, par contre, là, c'est pas un truc fortifié. Donc il sera un peu moins fort. Mais on aura du fer. Ouais. Moi je vais l'envoyer là. S'il crève, il crèvera. Hein. C'est pas pour le mal, le peu de difficulté qu'on a eu à l'avoir. Paf. Voilà. Tac tac tac. C'est trop fort la prison. T'as fait ça où? Tu tues, mais. A priori, ça fait mal la prison. Ah oui, c'est là. Ok. Aucune unité envoûtée. Ah, c'est pour emprisonner nos propres serviteurs? Tu te fous de ma gueule? Bah, nos serviteurs, avant d'être serviteurs, il peut être prisonnier ou autre. Oh, dinguerie. Mais du coup, faut que tu viennes avec moi. J'arrive. Attends. Parce que je crois qu'on a sol de prison. Je regarde juste vite fait et on y va. Sol de crypte. Ah non, on n'a pas encore sol de prison. Bon, on verra ça plus tard. Alors je te suis, où es-tu? Ah oui, t'es parti partout. Je viens de regarder et en gros c'est le même procédé. Ah, mais le soleil. Je suis un vampire ou quoi moi? Alors, au risque de te surprendre, oui. Putain, je savais que mes canines elles me faisaient mal. Je pensais que c'était les dents de sagesse, merde. Bah, pour le coup elles poussent, elles me font un peu. Enfin, elles me font. Y en a une qui me fait mal des fois quand je mange, mais sinon sans plus. Je sais pas, moi je n'ai pas cette horreur, j'ai de la chance là-dessus. Il faut qu'on mette un servitant. Un servitant, avec... oui, un fameux servitant. Bon, un prisonnier avec un gros boost de. Un bon de sang. Sang. Un très gros sang, parce qu'en gros la prison fera qu'on pourra s'en servir à volonté. Donc genre un petit 70, tu vois. Au moins un Comment petit ça, 70. On pourra s'en servir à volonté. On pourra se nourrir à volonté de son sang. Oh, dinguerie! Ça sera ma chose. Notre chose. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent. C'était la belle voix. Il y aura, sache-le, il y aura un chapitrage exprès pour ça dans la VOD. Hein. Histoire que les gens ne puissent pas louper ce moment. Let's go! Je vais même envoyer ce moment au casting de The Voice. Juste au cas où. Sache que j'arrive même pas à retenir mon propre prénom, alors une chanson. Tu t'appelles comment? Joseph. Ah, ce qui semble. Oh, il est beaucoup trop tard pour ce genre de blague. Ouf. Mais ça tentait pas la réponse. Oh mon dieu. Je m'attendais à tout sauf à Joseph, hein, vraiment. Attends, mais je. Je viens de passer, j'ai croisé Alpha le loup blanc, je repasse, je recroise Alpha le loup blanc. Bah parce qu'on a dû tourner en rond. Tiens tiens, comme c'est bizarre. Ce sera la nouvelle intro de la chaîne YouTube. Ah bah honnêtement, honnêtement. Il aurait pas fait la sienne. Alors au prix ouais m'a coûté, non, non c'est mort. Bon je crois qu'on va se rabattre plus sur un 50% parce que. J'ai un 66 là hein, sous les yeux. J'arrive. L'homme de la situation est là. Ah bah il est déjà sur place l'homme de la situation. Bah j'ai un doute alors, je pense que c'est le garde mais pas toi. Il est où? Le problème c'est que je sais plus c'est lequel donc Je l'ai en visu. Je suis en train de me faire prendre dans tous les sens. D'habitude je me plains pas mais là
Moi je me plains. Papa. Oui. Bah, je crois que je l'ai tué. Ah non, il est là. Vas-y. C'est lui. Comment on fait? Ah! Allez! Ah la vache! Je l'ai eu, c'est bon? Parfait. Amenons-la à la base. Faut rentrer à la maison. Oui. Elle est où? Elle est là. Tu te transformes pas en loup, je crois que tu peux pas. Non, je suis obligé de rester dans cette forme-là. Je vais te défendre, moi. Ah, je peux même pas me régénérer du coup. Je te défendrai jusqu'à la mort s'il faut. Je note. Rentre là-dedans, toi. Paf, emprisonné. Ok. Alors, asservir. Donc, ça le transforme en serviteur ou. Nourrir le prisonnier. Extraire de. C'est trop bien. Attends, nourrir le prisonnier parce que sinon il va crever à un moment donné. Le prisonnier récupère 20 à 30% de santé. Pour l'instant. Ah oui, il met 2 minutes à bouffer un rat, bah manie-toi le cul. Je peux faire un concours. Ah hein. Prélever il faut moins de temps. Voilà, oui, mais attends, attends, parce que là tu vas le tuer je pense si tu lui prélèves son sang maintenant. Attends, je vais aller chercher des rats. Ah ouais, prélever de l'essence sanguine aux prisonniers au prix de 30% de santé. Oh, je veux bien être optimiste hein. Mais là augmente la misère de 2 à 6%. T'as pas de rat, toi? J'en ai encore un sur moi. Est-ce que oh, s'il mange le sang? Le prisonnier s'est rebellé! Au secours! Comment ça? Ah, c'est peut-être moi qui l'ai enfermé, du coup il veut y sortir. Mais non! C'est juste qu'on peut rentrer dedans. Oh mon dieu. Voilà. Kazoo vient à ma cellule. Non, calme-toi, lime pas les barreaux. Let us relax. Je te lime mon barreau. Oh. Ah, ça y est. Oh, c'est rapide. Oui, en effet, c'est très rapide. Et alors, est-ce que l'extraction de sang fonctionne? Tu l'as... Ouais, j'ai eu un succès. Extraire le sang d'un prisonnier. Mais la mission, non, par contre. Bah tiens. Essaye de la récupérer. La potion. Ouais, non, ça me l'a pas donné. Ah, trop relou! Ah, par contre, il l'a bu! Il a. Quoi? Ah non! Ah non, il l'a mise là, c'est bon. Oh, j'ai eu peur! Il est allé vide? Non, elle est pleine. Ah, mais si je la vide! Ça redonnera une bouteille vide, je pense! Bois tout! Bois! Alors. Attends, parce que je dois aller voir sur ton live. Yes, moi. Bouteille vide, nickel! Oh là, mais je suis le coach! Potion de sang. Fais-lui. Oh! Oh! Bah oui, il avait plus de vie. Oh merde! On s'abstiendra de commentaires. Moi je dis ça, c'est à cause de quoi? Hein? L'essence sanguine, hein? Ah, y'a rien qui va. Oh mon dieu, j'ai si chaud. Je suis en train de mourir. Ah, allez, quête terminée, salle de prison. Ouf. On a une essence sanguine supérieure. Je sais pas si on en a encore, mais je pense qu'on peut en fabriquer. Bien. T'as du cœur intact? Cœur intact, bah dans le coffre d'alchimie en haut, je pense qu'il en reste. Pourquoi? C'est bizarre. Ah, c'est bon. Bah pour les missions d'après. Ah faut une essence sanguine supérieure pour passer le château le château au niveau 3. Essence sanguine supérieure, du verre et du fer peut-être, mais j'en ai 13 sur moi donc je sais pas si c'est assez. Et 21 de fer je crois. 21 de fer, je suis pas sûr qu'on les ait ça. De verre. Ah de verre, oh bah je doute encore plus qu'on les ait pour le coup. Bah c'est du quartz non? Alors oui, mais on peut pas le traiter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Je pense qu'il faut battre un boss qui nous permettra de le faire. Et il m'emmerde ce boss. Ah bah je suis bien d'accord. Hein. Sol de prison, ça y est, on l'a débloqué.
Alors, voyons voir les boss. Ah, je peux pas les voir pour l'instant. Paf. Sol de forge. Hein? C'est le sol de forge. Deux. Le pour le améliorer le fourneau. Oui, mais c'est pas ça qu'il nous faut. Eh, c'est quoi qu'il nous faut? Eh bah, c'est directement la recette pour apprendre à faire fondre le verre, quoi. Eh, comment ça, moi? Mais alors ça, je pense qu'on en est très très loin. Parce que là, je ne vois pas du tout sur les boss, quoi. Bah, désolé les amis, fin du live. Je me résigne à cette activité. C'est fini. Bref. Ah non, il y a pas du tout. Ce qui me fait chier, c'est que j'aurais bien aimé qu'on débloque les vêtements en tissu, mais je sais pas comment on débloque ça. Tu veux que je regarde? Attends. Tu veux que je regarde? Attends, j'ai dit attends. Équipement. Terrible cet enfant. Armure. Artisanat. Et équipement habit de maraudeur. Ah, c'est le banc de couturier. Mais on l'a pas. Bah, il suffit de le construire. Je pense que on va pas avoir beaucoup de mal à faire ce qu'il faut. Fil de coton. Tu peux regarder, on a combien de fils de coton? Ouais, t'inquiète pas, il y a une culture. Ouais, mais il nous les faut là maintenant. Gna 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 gna. Oh, 580. Ah, on a 580? Coton, oui. Non, fil de coton. Ah, c'est dans la table de couture, ça. Mais c'est en bas, ça. Non, c'est en haut. Non, en bas, c'est dans le... Oh, c'est dans le coffre de couture. Laisse-moi regarder. On en a 5. Mais ça se fabrique. Le fil de laine. Bah oui, ça se fabrique en plus. Pourquoi on a toujours pas fait ça? C'est terrible, ça. Pourquoi on a toujours pas fait ça? C'est terrible, ça. Tu comptes répéter tout ce que je dis? Oui. Ah, merci. Sinon, ça aurait été très très long à la rediff. Mais arrête de cliquer. Je peux plus, j'ai les nerfs qui saturent là. Ô Jésus, Marie, Joseph. C'est bon, t'as fini? C'est le moment. Alors, dis-moi, cher Kala, est-ce que tu m'en veux si je te mute à tout hasard? Un peu, oui, mais là c'est le moment de relaxation avec la boîte à musique. Ah, la boîte à musique, oui, mais alors c'est bizarre, hein. Mais je doute que ce que j'ai entendu à l'instant c'était la boîte à musique du jeu. Ouais, bon, je vais dire Rammstein dedans, t'es content, hein. Ah, bah oui, par contre Twitch le sera moins. Quand je vais recevoir l'avis de ban, je le serai beaucoup moins aussi. Ce sera la outro MDR. Exactement. Oh mon dieu, c'est super grand. Mais non, mais y'en a marre. Ce jeu, c'est le jeu de la surenchère. Tu trouves qu'un meuble est grand? Bah, attends le prochain, mon connard. Oh putain, non mais sans déconner. Oh, y'en a marre. Je te regarde. Il faut pas plus pour me faire rire alors qu'il est. Hein. Oh là 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 là. Bon. On va foutre ça là. Voilà! Regarde-moi la taille du machin! Avoir les cheveux trop longs. Ah bah attends, j'arrive. Oula! Oh, mais c'est stylé en vrai! Ah, c'est stylé, ça oui, je dis pas le contraire! Mais il faut une pièce entière rien que pour ça! Alors! Bon. Et il faut... Ah, il faut fil de coton et fil de laine. Bon, ça va, en vrai, c'est pas super dur à faire, leur connerie, là. T'as combien, là, des fils de coton sur toi? Ils sont tous dans le truc. Hein? Ils sont tous dans le truc métier à tisser. Ah, bah, des fils de coton, pas du coton. Si. Attends, ah oui, d'accord. Ah oui. Bah, sinon, on tente le premier boss comme ça, et puis on voit bien. Ou sinon, au moins, il y a le coton qui travaille pendant ce temps-là, et puis voilà. Ou sinon. Farming. Non, c'est qui le boss? C'est Christina, ma collègue. On te salue, si tu passes par là. Dans quel sens? Allez hop. Je vais aller le chercher, moi, la bestiole. Attends, je vais voir si je peux me TP, déjà. À mon plus humble avis, je ne pense pas, mais... Elle est où? Christina, nord-ouest.
Donc nord-ouest, nord-ouest. En haut, à gauche. Ouais, oh bah merci, merci. Alors là, franchement, j'aurais pas pu me débrouiller sans tes conseils. Je trouve que t'es pas routier, donc... Je trouve que t'es pas routier. Vaut mieux prévenir que guérir, hein. Eh, espèce de gros con, ça fait 6 mois que t'as pas sorti de vidéo sur ETS2. Je pense que tu ne sais plus. T'as tout oublié, y a pas de doute. Bon, nord-ouest, bah je vais aller tout au nord, ici. Où est Paris? Où est Paris? Je sais pas. C'est ça le problème. C'est pas la capitale du Turkménistan? Putain, il est fort, il est fort, il est fort. Ah, c'est ce que je pensais. Moi, je pose une question. Est-ce qu'on peut voir notre serviteur dehors? On peut voir notre serviteur dehors? Bah, si on le croise dans la rue comme ça, nickel. Ah bah, s'il se renfuit, je pense que oui. Ah! Bah, je te dis un truc? Oui. Je me suis TP plus haut que le boss. Ah! Bah moi je me suis TP trop bas. Ah bah elle est passée à proximité déjà, bon bah ça va. Bon bah c'est que je suis à l'opposé. Mais j'ai pas assez de TP moi, faudrait que j'arrive à en faire d'autres parce que là. Mais t'as dit nord-ouest toi? T'es à l'est. Non mais je suis en train de revenir vers l'ouest là, tu vois, elle est proche là maintenant. Moi je vois, je sais pas. Après c'était nord-ouest depuis la base. Donc peut-être que. Archer, vétéran. Soleil à la con. Oh. On va peut-être attendre la nuit avant de l'attaquer. D'ailleurs, je me demande, tu as fait les Lego Marvel, mais tu n'as pas fait les Lego Batman, il me semble. Non, non, tout à fait. J'ai pas fait les Lego Batman. Pas Mais c'est encore. sur le compte Steam. C'est sur le compte Steam, ouais, comme tous les jeux Lego. J'ai prévu de plus ou moins tous les faire à plus ou moins long terme. Faut J'ai. juste trouver le temps. Ah, je l'ai aussi, allez. Hein. Et puis ces deux gardes sont. Ah bon. Heureusement que tu viens de dire, on peut peut-être attendre la nuit avant de la faire. Donc ouais, non, Jordan, Lego Batman, ça arrivera un jour ou l'autre. Mais. Ah! Mais pas encore. Ils sont vraiment excellents. Ouais, je sais bien, j'y ai déjà joué. Mais jamais en vidéo. Tu permets, je me nourris de ton sang. Je t'en prie. Bah elle a pas l'air bien résistante hein, si on arrive à bien la... Ah oui, elle invoque des potes, ok. Bon, il y a juste l'ego dimension qui s'inscrit dans la chronologie, mais aux êtres. Ah, je savais pas que ça s'inscrivait carrément dans... que c'était canon au Lego Batman, mais c'est pareil, l'ego dimension, j'y avais joué. C'était excellent. Excellent. This is my victory. Ah, elle se régène. Elle se régène en plus. Ah bah oui. Elle peut-être être plus chiante que ce que je pensais. Bon, la nuit tombe, c'est déjà bien. Ah, fais chier! J'ai plus de vie. Ah, moi non plus, j'arrive bientôt à la fin. Elle me fait chier, pourquoi moi? Oh, mais merde! Je me régène tranquille, Ok, madame. lui c'est bon. Et toi, mon salaud? Voilà, c'est bon aussi, je me régène vite fait. Ah, je suis au max. Yep, le Batman principal, celui des jeux Lego Batman, et il y a même le reboot. Du Joker de Lego Batman 2. Ok. Allez, toi. Voilà, tu touffes un peu. Oh, saleté. Ah bah elle lance son contre en même temps que le mien. Merci madame. Ah mais pousse-toi Skeletor, t'es chiant. Ouais, c'est ri. What, est-ce que j'aime de ouf en plus? Pourquoi elle ne veut que moi là. Wouah. Ouais, bah ma collègue est plus sympa, hein. Mais peut-être pas aussi belle, hein. J'aime bien mettre mes petits coups de... Ah, y'a des monstres. Oh mon dieu, oh des orbes de santé. Ah, attends, laisse-moi genre. Ouais, je Mais pitié, 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 pitié. Ah, fais chier. Appuie exposition à l'ail en plus. Ah, elle est en train de se soigner encore, mais c'est terrible! Grognasse, va! Ah, t'es pareil, hein. Moi? T'es une grognasse, mon gars. Alors là, j'en reviens pas de ce que j'entends. Choqué, déçu.
Choqué. Et déçu. Ah, ça c'est cool. Ah ouais, non mais les archers, les ceci, les cela. Tu me permets, je suis du sang. Vas-y, vas-y, vas-y. Tant que je meurs pas. Tu me permets, je me régène. Bah vas-y, vas-y, tant que je meurs pas. Moi je fais ma vie de mon côté, j'ai l'impression. Ah ouais, là je suis... Et bon, j'ai tout vie. Ah bah t'as bien de la chance. Je sais, oh. Ne meurs pas. SC régène à 3/4 de sa vie. C'est une grosse... J'arrive. Ouais. C'est une grosse... Le grand Kala arrive. Voilà, je vais mourir. Ouais, voilà, c'était sûr. Je sais pas ce qu'elle m'a lancé comme attaque, mais j'ai eu aucun doute sur le fait que ça allait me tuer. Oula, je suis pas sûr que t'aies le temps, grand fou. Ah non. Bah ouais, non. Bah j'aurais eu le temps si lui, il aurait pas été là. Ouais, mais bon. Alors, je sais pas où je vais respawn par contre. On est où? On est là. Par contre, c'est chiant que j'ai pas mon dash, là, je sais pas. Allez, j'essaye de revenir au plus vite, mais encore une fois, j'ai pas de spawn à côté. D'ailleurs, j'imagine trop un Lego X-Men basé sur les films X-Men, de X-Men 1 à Deadpool et Wolverine, en comptant aussi les films spin-off, mais avec aussi des missions de X-Men 92 et 97. Ce serait excellent, ce serait excellent. C'est vrai que en plus, les X-Men, ils sont super cool à jouer dans les Lego Marvel. Hein. Ce serait vraiment super cool. Elle a un compte, tu feras gaffe. Ouais, je sais. Tout à l'heure, j'ai lancé mon compte en même temps qu'elle. T'es bien pour l'instant en vie? Ouais, t'es 3/4. Bah, je l'attaque pas, mais elle m'attaque pas, quoi. Alors, bah, j'arrive, je suis là vite. Et en plus, on les a pas revus depuis les deux jeux Lego. Ouais, non, c'est vrai. Aïe. Ah, mon ult passe à travers son compte. Oh, il fait trop mal mon lancer pour le coup. Ah bon? Oui. Attends, mieux. J'arrive, oh, je suis là. Ah non, ça c'est pas toi. Ah! Il y en a une deuxième! Il y en a une deuxième! Hein? Il y a Belle, ah oui, on la connaît pas. Ah oui, Jade la chasse. Ah oui, d'accord! Mais tout à l'heure, elles étaient côte à côte aussi, hein. Eh bah au pire, attire-la loin de Christina, là j'ai repris Christina. Donc attire-la loin et puis reviens après quand tu l'auras semé. Ce sera une bonne solution. Ah. Oh, je fais zéro dégâts. Ah bah oui, non, n'essaye pas de la combattre. Hein. Fuis. Elle fuis, les pauvres, fuis. Elle repart. Bah j'espère qu'elle repart vers moi. Ah bah. Ah, elle me refait son attaque. Saleté. Attends, je la laisse passer. Je viens vers toi, j'arrive. Oh là là, oh là là. Je me régène. Attaque, dépêche-toi. Saleté. Ah mais il y a les autres derrière qui s'y mettent aussi, j'ai horreur de ça. Oh là là là, je vais déjà mourir. Hein. Ça c'est dommage que le jeu délimite pas un peu plus ces zones de boss juste pour les boss quoi. Parce qu'à chaque fois, t'as toujours 40 000 villageois qui ont rien à voir avec le boss qui viennent te fight. Oh, mais il y avait un caillou! Je vais en mourir, hein! De rien. Régène-toi. Elle est où? Sur moi. Je la vois plus. Ah, d'accord, elle t'est cachée. C'est régène encore, c'est pas vrai. Rien à foutre de ton compte. Ah putain, j'essaie de me mettre devant toi, mais tu bouges. Oh putain, elle se régène pile quand j'ai mis le truc. Ah, fais chier! Je me régène. Ah, t'es mort? Ouais, je suis mort. J'ai toujours pas de spawn à côté, ça commence à me les briser. Je vais mourir. Ah, puis le problème c'est que j'ai les autres quoi. Bah ouais, mais c'est ça qui est chiant, c'est que. Mais non, mais c'est elle qui a fait spawn. Ah, c'est celle qui a fait spawn là?
Enfin, ceux qu'elle a fait spawn. Oui, bon, bah dans ce cas-là, oui. Mais quand tu vois que t'es à côté d'un village, que les villageois ils viennent te fight, sans raison, ça c'est casse-couilles. Non, bah je pense autant attendre d'avoir des bonnes armures, voire même des bonnes épées si jamais on peut en faire d'ici là. Et on retente ça dans le prochain live, et puis tant pis, hein. À mon avis. Parce que là, d'ici là, à ce qu'elle ressorte de là, à mon avis, vaut mieux faire du coton off, faire les armures. Si on peut faire les armes en fer, et puis. Et comme ça, on pourra la tenter, elle et Tristan, du coup. Putain, un boss, hein. Un boss. La prestation la plus. Oui, j'ai vu. La plus mauvaise de notre histoire. Alors, au niveau des tenues, on a la cape de souverain immortel. Voilà. Comment ça, la cape de souverain immortel? Moi, j'ai la cape de chasseur. J'ai pas la cape de chasseur. J'ai le plastron de canine creuse. Ouais, ça aussi. T'as pas la cape de chasseur? Ah si, cape de chasseur, si, pardon, c'est... n'importe quoi, si, je l'ai. Mais du coup... Ah, c'est le DLC, la cape de souverain immortel, c'est le DLC. C'est la même chose que cape de chasseur. Excuse-nous. Donc j'aurai des vêtements pour me distinguer que toi. Oui, bah, moi, bref, fabrique. Oui, mais je fabrique quoi? Parce que je peux fabriquer qu'un seul truc. Hein. Comment ça, qu'un seul truc? Bah, on a que 12 fils de... On a que 18 fils de coton. Et il en faut 12 pour fabriquer, donc... Ah! Ou alors je fabrique deux capes pour qu'on ait chacun une cape éventuellement. La cape. Là on a assez. Sont des max, résistance au soleil, résistance. Ça sert mais à rien. Je sais pas, elle se met où la cape? À la place du. De la pelisse? Oui. Bref, bah c'est mieux que rien, mais bon. Ça sert à rien, je trouve. Pour le moment ça nous sert à rien. Genre, en combat on est trop faible, c'est ça le problème. Bah oui, mais après là on n'a pas ce qu'il faut pour fabriquer le reste et on récoltera en off ce qu'il faut pour fabriquer le reste en soi donc. Oh, je suis trop con et puis en plus j'ai. Ah, mais attends, j'ai pas amélioré ma tenue moi. Bon, allez, je fabrique une cape. J'ai cliqué. Est-ce que tu veux une cape de souverain immortel ou une cape de chasseur? Non. Ça répond pas à la question. Si. Non. Si. Non. Non. Ça va être long, hein. Mais si je peux te le dire, ça va être extrêmement long. Je vais me trouver un nouveau coéquipier, moi. Tu peux faire un coffre? Non, regarde les trucs actuellement. Quoi? Fais un coffre. Mais pourquoi tu veux que je fasse un coffre? Fais un coffre. Ah, mais... ce qu'il faut pour faire un coffre. Et un coffre comment? Bah je vais faire mon coffre. Comme on est mieux servi que par soi-même. tu vas te démerder pour ta cape toi. Mais je t'ai dit de pas me le faire. Dégoûte un peu ce qu'on te dit. Tu vas peut-être changer d'envie, d'avis. Ah, tu vas peut-être changer d'avis en voyant mon incroyable cape. J'ai envie d'avoir envie. Bien, merci à tous. Merci beaucoup. Merci Jordan, évidemment. Merci Pizza. Merci. Merci. Y'a qui d'autre qui est passé? Je sais même plus si quelqu'un d'autre est passé. J'ai l'impression que ça fait 18h qu'on live. Hein. C'est terrible. Bref, merci à Dodo. Tous. Suite de Star Wars Outlaws demain soir si tout se passe comme prévu. Pour le prochain live, donc la semaine prochaine, samedi ou dimanche, on vous retient au courant. Et puis bah le best-of d'ici mercredi, normalement, si tout se passe bien. Et puis bah voilà. Voilà, merci à tous, passez une très très bonne soirée. Et puis, je vous dis à très très bientôt. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Bisous. Ô Jésus, Marie, Joseph. C'est le moment.